Yes. 1984, l'époque des battes, des coups de hache et des bastons. Descente à la calage, dans les squats, dans les bas-fonds. Sur la fontaine, y'a Verifa et gros Porky, c'est les fantômes. À l'époque, déjà des OGs. OG sur le boss, contrôlant comme des boss. Bagarre au café coste et les batailles dans les postes. Nous, du Keyboy pour Orboy et les Asnés. On rentrait dans la guerre, car les skins contre les châtelets. Bac de combat, couleur sur le bombers. Ma bête était en bois, elle s'éclate dans la stompa. Donc changement technique, intratech, et je te nique vite, car l'automatique, même si tu sors dans un pique-nique du 13 jusqu'au hall, y'avait que de la guerre. Mais la plus belle des batailles, ça restera qu'est de la gare. Batskin s'est fait shooter par papy qui nous remontait le score. Et on shootait dans leur crâne comme si c'était un sport. Balle à ailette ou à sanglier. On écrasait leur petite tête comme dans un cendrier. On a conquis le hall et la dalle dans la fierté. Et même si plus des balles, carnal, hasta la muerte. Yes, Paris 13, Southside, OGK. Original Red Warrior dans la place. Just because we get around. Talking about my generation. Things they do look awful. Talking about my generation. I hope I die before I get old. Try to dig what we all say. I'm not trying to cause a big sensation. I'm just talking about my generation. Les premiers skinheads déboulent en Angleterre au milieu des années 60. Crâne rasé, jeans délavés et boots militaires aux pieds, ils sont une évolution des mods des dandys anglais amateurs de musique noire, de belles sapes et de scooters customisés. Chaque week-end, sur les plages de Brighton, les batailles rangées entre mods et rockers font des dizaines de blessés. Les plus violents des mods s'inventent un look plus adapté à la bagarre. Ces hard mods forment les premiers crews de skinhead. En 69, on en compte jusqu'à plusieurs centaines dans les tribunes des matchs de football. Pur produit de la classe ouvrière anglaise, il déteste tous les autres groupes, et notamment les hippies qu'il considère comme des gosses de riches. Fasciné par les voyous jamaïcains, ses premiers skinheads adorent le ska et le rocksteady. Les skins deviennent de la chair à fait divers, menaçants, ultra-violents et incontrôlables. Mais ces skins vieillissent, et la première vague skinhead échoue à l'orée des années 70. L'arrivée du punk réactive le mouvement. Comme autant des mods, les bagarres de rue radicalisent une partie des punks. Sham 69, Slaughter and the Dog ou Angelic Upstart écrivent la BO de cette nouvelle génération. Ils inventent un son bien à eux, la Oi pour Hey You, prélude à la bagarre en argot cockney. En France, les premiers skinheads apparaissent en 78 autour de la Fontaine des Innocents, dans le quartier des Halles à Paris. C'est le moment que choisissent Farid et Amour pour entrer dans la légende urbaine. Il faut savoir que tout ce qui conditionnait le look et l'appartenance à une bande à l'époque, c'était d'abord, avant tout, dicté par la musique. Chaque musique avait sa tenue vestimentaire et plus ou moins ses codes de comportement. Mais le crâne tout tondu, au jour d'aujourd'hui, tous les mecs de banlieue ont le crâne tondu. À l'époque, il n'y avait que nous. Et je peux te dire que ça se voyait. Les gens comme Farid, toute cette génération, c'est des gens qui étaient punks avant. Et qui, pareil, eux, mecs de banlieue, vont glisser dans quelque chose qui leur correspond plus. Plus riffeur, plus moins déglingué, moins... Voilà. Et c'est en fait, eux... C'est vrai que c'est eux qui importent ça, la génération de Pierrot, Amour, Farid, Fan, toute cette équipe, là, pour la plupart, qui venait de Colombes. C'est eux qui importent ça. Moi, avant eux, j'en ai jamais vu. Bon, en fait, tout ça, c'est à cause d'un groupe. Il s'appelait Sham 69. Et c'est eux qui ont drainé le premier gros revival skinhead dans les années 80 en Angleterre. Et quand nous, on a commencé à écouter ça en France... La musique, c'était aussi péchu que le punk qu'on écoutait avant.
Sauf que la dégaine était beaucoup plus... Comment je dirais... C'était beaucoup plus menaçant. Les fringues, c'était propre, c'était carré. Et puis, les gens avaient peur. Je voyais arriver, nous on montait à 7-8 dans un wagon de métro, tout le monde se taisait. On arrivait devant un concert, il y avait 300-400 personnes, tout le monde regardait ses chaussures. Donc nous, c'est ce qui nous a plu dedans. Et puis, aussi le fait que c'était quand même assez violent, quoi. Et ça me plaisait énormément. C'est le skin comme moi j'aime, quoi. C'est mon dieu et la bagarre, ma maison et la rue, quoi. Tu viens me faire chier, tu manges. C'est avec une musique derrière, mais les potes, la bière, la fête, et personne ne nous marche sur les pieds. Et pas raciste, quoi. Au départ, le mouvement originel, la politique, en 60, on s'en bat le coquillard. On s'en bat le coquillard. L'important, c'est la zic, les fringues, les potes. Et on commence à pressentir donc les dérapages d'Angleterre vers l'extrême droite. Les skinheads se politisent au début des années 80. La violence sans but des skins de la première heure se transforme en culture de haine. Les partis d'extrême droite se développent dans toute l'Europe. Draguant le monde ouvrier brisé par la crise économique, le Front National anglais propage son message raciste et nationaliste qui gagne bientôt les skinheads. What is left of your economy street? That's all crap. Skinheads, because you're very short hair. They are national front. They're fascists. They create troubles. They are the ones that were behind the trouble in Belgium, weren't they? During the football match, if you remember. Proud of your country, Great Britain. No, but niggers are fascists. Full of niggers, fascists, immigrants. You hate immigrants. Them. Do you hate them? Yeah. Communists. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. En France, le Front National n'est pas en reste. Mais d'autres partis encore plus radicaux vont aussi trouver un terrain fertile chez les skinheads. FAN, Occident, GUD, GNRB, Union Solidariste et à partir de 87, le PNFE en province enrôle des skinheads à tour de bras. Ces mouvements d'extrême droite subissent tous le même phénomène. Ils sont laminés au niveau de l'opinion publique, au plan parlementaire, car ils ne représentent pas grand-chose au niveau parlementaire, donc ils s'expriment dans la rue et la violence. C'est un phénomène qu'on retrouve en Italie et en Allemagne en particulier. Alors qu'avant, l'extrême droite était un peu limitée au mouvement étudiant, c'était des bourgeois. Là, on va avoir un retour des prolos d'extrême droite, chose qui n'existait pas avant. Donc, prolos d'extrême droite égale gens qui traînent dans la rue. Ce look viriliste va tomber parfaitement en phase avec les aspirations de prolos qui sont perdus, quoi. Et que du coup, alors qu'avant, le punk au départ est quelque chose qui est quand même en opposition avec la société bien pensante, qui se situe dans une veine qui est proche de l'anarchisme, des mouvements d'extrême gauche et du situationnisme, bah en fait, la forme elle-même, qui est une musique violente, va pouvoir être récupérée par les groupes d'extrême droite. Par exemple, eux, ils suivaient tous un groupe qui s'appelait Screwdriver. Moi, Screwdriver, j'ai eu en main le premier 45. C'était un groupe de rockers de banlieue, avant qu'ils commencent à se réclamer d'une espèce de néo-nazisme. Pourquoi la musique est-elle si importante dans votre mouvement ? Pour nous, cela concerne beaucoup de gens plus jeunes que les politiciens ne peuvent pas atteindre. Car beaucoup de gens trouvent la politique barbante et certains aspects le sont effectivement. Mais aller à un concert et écouter un groupe avec lequel vous êtes d'accord, c'est beaucoup plus amusant que d'aller à une réunion politique. Et nous pouvons atteindre ainsi beaucoup plus de gens. Et qui sait s'ils écoutent les paroles et qu'ils y croient ? Alors ils vont peut-être s'impliquer dans le parti nationaliste au sein de leur propre pays. Les londoniens de Screwdriver prennent la tête d'une nouvelle génération de skinheads fascinés par l'idéologie nazie.
En France, prenant modèle sur les Anglais, les Evil Skin et leurs chanteurs Sniff, les Tolbiac Todds, Brutal Combat, Booker 84 ou Légion 88 incarnent ce courant. Leurs actions ne se limitent pas à la musique. Dans leur sillage, le nombre des exactions racistes explose au milieu des années 80. Pour les journaux, le skinhead devient l'archétype de la brute raciste. Mais dans la rue, les punks et les militants antifascistes sont leurs cibles favorites. La réalité du moment, c'est effectivement un mouvement skinhead qui, en France comme partout en Europe à ce moment-là, a été complètement radicalisé à l'extrême droite. Et là, je vais être explicite là-dessus. Les mecs qui aujourd'hui disent « j'étais skin en 85, mais j'étais pas faf », c'est soit des mecs qui étaient pas skin, soit des mecs qui mentent et qui assument pas. Parce que moi, je peux te dire qu'à l'époque, t'avais 99,9% des skins sur la France, comme sur l'Europe, et en particulier l'Angleterre et l'Allemagne, qui étaient nazis. Enfin, tu vois, ça, c'était une réalité qui était indiscutable. À l'époque, il y avait une distinction. Il y avait les skins nationalistes et il y avait les skins national-socialistes. Les skins nationalistes, ils portaient le drapeau français. Les skins national-socialistes, ils portaient la croix gammée. La rune de dalle, plus exactement, une espèce de triangle avec deux pattes en dessous. Les bandes racistes se multiplient. Nazi Clan au Luxembourg, FIAP à Saint-Jacques, Légion 88 à Juvisy ou Tolbiac Todds, Quadrille Paris. Donc la plupart des Tolbiac Todds, ils portaient des Doc Bordeaux avec des Bombers verts et un drapeau France ici. Ils avaient un groupe de musique et ils avaient un badge. J'en ai même encore quelques-uns en collection puisque je faisais la collection des trophées de skins qu'on arrachait. Leur couleur, c'était la carte de France avec un crapaud qui l'a grippé comme ça. Et le crapaud, il avait un t-shirt blanc et une paire de bretelles avec des docks. Ça, c'était les Tolbiac Todds, donc Bombers verts et tout ça. Et leurs ennemis, leurs ennemis, entre guillemets, ils s'aimaient pas, quoi. C'était les skins du Luco. Ils s'appelaient le Nazi Clan, ils se traînaient sur Luxembourg, Saint-Michel et tout ça, ils foutaient la merde là-bas. Et ces mecs-là, c'était des nazis. Bon, les communistes, tous les gauchistes, les capitalistes ont la télé, la radio, les journaux, ont l'argent avec eux, nous, on a nos points avec nous. Voilà pourquoi on aime la violence. Batskin, c'était un peu, comme on pourrait dire, leur leader charismatique, entre guillemets. Il y avait Jabba aussi, qui était quand même un sacré tapeur. Il y avait quand même, à l'époque, faut le dire, cette génération de skins, c'était des bagarreurs, des tapeurs, des cogneurs. Ils disent avoir leur territoire. Ici, à Saint-Michel, ils traînent toute la nuit cherchant la bagarre.